L'infante Cristina, fille du roi d'Espagne, a été interrogée pendant 6 heures samedi au tribunal de Palma de Mallorca. Une première depuis le rétablissement de la monarchie en 1975. Elle a quitté le palais de justice en voiture pour éviter les journalistes. Soupçonnée de s'être servie d'une société écran qu'elle détient avec son époux pour acquitter des dépenses personnelles, elle s'est déclarée incapable de répondre à la plupart des questions. Elle n'a bénéficié d'aucun privilège ni d'aucune immunité. Elle a répondu aux questions, elle était là pendant 5 heures ce matin et 2 heures cet après-midi. Elle a répondu à tout le monde et a donné sa vérité, a déclaré son avocat. Des manifestants anti-monarchistes s'étaient réunis dans les rues avoisinant le palais de justice pour dénoncer la corruption des élites. Le juge Castro, qui a convoqué la princesse, a lui été acclamé par la foule à sa sortie du tribunal. Dans un contexte d'austérité et de chômage massif, beaucoup d'Espagnols s'attendent à ce que l'infante Cristina échappe à une inculpation.